soir, au Téléjournal, un drame bouleversant ébranle la région d'Ottawa-Gatineau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Téléjournal de 18h. Ce soir, une histoire qui interpelle tous les Canadiens et tous les Québécois, mais qui touche particulièrement la population de l'Outaouais. En effet, l'avion qui avait atterri ce soir à l'aéroport du Managua au Nicaragua et qui portait à son bord une soixantaine d'élèves de l'école secondaire Montbleu s'est écrasé 2 heures après son escale de l'aéroport de Miami. Véronique Croix, vous êtes présentement devant l'école secondaire Montbleu. Est-ce qu'on a plus de détails entourant cet écrasement? En fait, Céline, les informations nous arrivent au compte-gouttes littéralement. La compagnie aérienne a convoqué un point de presse pour demain matin seulement. Les informations dont on dispose nous viennent donc des autorités américaines et canadiennes qui sont responsables des recherches. Les recherches sont situées dans quel secteur exactement, Véronique? Eh bien, Céline, les informations obtenues nous indiquent que l'avion serait quelque part dans le golfe du Mexique. Plusieurs équipes américaines, canadiennes et mexicaines s'activent présentement afin de retrouver l'avion et possiblement les survivants de cet écrasement. Et Véronique, vous avez la chance de rencontrer des parents et des amis qui sont des victimes qui sont présentement portées disparues. Comment ça se passe de ce côté-là? Eh bien, Céline, oui, je suis devant l'école secondaire Montbleu, parce qu'il y a plusieurs parents qui se sont regroupés. Je suis accompagnée de Mme Lamar, la mère d'une des élèves présentement portée disparue. Madame, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris la nouvelle? Comment j'ai réagi? Comment pensez-vous que j'ai réagi? Ma fille! Ma petite Véronique! Ma princesse! Il faut la retrouver! C'est pas de bon sens! Je gâche qu'ils font rien à peu, qu'ils restent là les bras croisés! C'est pas bon ça! De retour en studio, Céline. Merci pour cette merveilleuse entrevue qui démontre l'incompréhension et le désespoir vécu par les proches. Maintenant, aux arts et à la culture, Céline Dion surprend la communauté artistique en affirmant qu'elle souhaitait travailler à la réalisation d'un nouveau spectacle qui serait d'envergure dès l'automne prochain. Say my name, say my name.
the silent change.
un certificat d'excellence en scoutisme. Scoutisme. T'as quel âge, la grande? Ouais, t'as quel âge? Ouais, c'est ça, va-t'en. Va-t'en. Chut! Thank you.
mesures qui sont suivies par les organisations de recherche de survivants. Peu importe la nationalité des disparus, le pays a l'obligation de participer au, à la recherche des survivants. Ça fait partie de la Convention de Genève qui a été signée par le Canada et les États-Unis. Vous comprenez? C'est exactement ce que je dis tantôt. Va même chercher. OK. Ouais. Gab, selon toi, combien de temps ça va prendre? C'est quoi votre problème? Vous allez pas fier sur la tête pour vous dire quoi faire. Moi, j'ai commandé un coup. Hey, ça va faire, OK? On est plus à l'école pis t'es plus en position de dire quoi faire à qui que ce soit. Toi, t'es bête. Tu crois sur ta petite position de premier défenseur dans l'équipe de foot. Parce que dès qu'on arrive, je parle en poche. Mets-toi ton power chip, là. On s'en fout l'équipe de football présentement. La seule personne qui peut me donner des ordres, c'est elle. Puis c'est grâce à ses connaissances qu'on va s'en sortir. Car, je crois que tout le monde ici te doit des excuses. En tout cas, personnellement, je m'excuse d'avoir été près d'avec toi. Ouais, moi aussi, je m'excuse, Gabrielle. J'aurais dû au moins essayer de parler aux filles pour qu'elle arrête de traiter les mains. Ouais, ouais. Je m'excuse. Bon, là, je suis désolée. Mais quoi? Peu importe. Bon, là, les gars, il faut aller fouiller dans les débris plus loin. Je crois qu'on vit le suiveur proche de la carcasse de l'avion. Le suiveur, c'est quoi ça? Est-ce que Jérémy Josiane et Chloé? Non, le suiveur est une caisse étanche qu'on soit en contrepaquet de 5 mm d'épaisseur. Il est recouvert d'un tissu de verre infini de résine de polyester. Le suiveur est protégé par une pauvre étanche qui le rend insubmersible. Hein? Ouais. Ok, dans le fond, c'est une grosse boîte. Là-dedans, il y a une couverture, une pharmacie, des rations de nourriture. Bref, tout ce qu'on a besoin pour survivre en attendant les secours. Oh! Bon, les gars, on y va. Attendez, faudrait fouiller dans les boîtes et les valises. On aurait bien besoin de vêtements de rechange. Ok, d'accord. Eh oh, on s'en va au boulot. Yo, calme-toi, Ben. Ben là, ça me motive. Bon ben, les filles, vous
besoin de venir avec moi. On va aller chercher du bois pour faire un feu. Gab, tu penses quand même pas que je vais aller me promener dans ta petite forêt toute cuite avec mes Gucci à 350$? Bon ben, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rester ici toute seule en attendant que les autres viennent. Des princesses d'abord. C'est ça, ouais. Avec le bois que vous avez rapporté. Ben, car ça va être le reste du bois, là. Puis vous avez l'air pas
travail, vous autres. Vous êtes même pas mouillés. Bon, on a le temps de monter et tente avant que la vache arrive, là. Ben là, regarde, comment t'as fait pour porter tout ce bois tout seul? Moi pis Léon, on va t'aider. Ben voyons donc, vous avez pas besoin d'être deux pour transporter ce petit bois, là. Si la l'un des quatre de le faire, moi je peux le faire à une main, c'est certain. Ben, le bois est mouillé pis ça glissé, là. Bon, ben, je pense que c'est toi avec sa femme beauté, hein? Ah oui, ben j'ai tellement hâte de voir le beau feu que nos mâles, virils, vont réussir à nous faire. Ben voilà, Catherine, tu sais que nous autres les hommes, on n'a pas besoin de feu pour vous. Zalmer! Oh! 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 Bon les boys, là, c'est du sérieux. C'est le temps. Depuis la nuit des temps, l'homme est parvenu à dominer les éléments. Nous avons chassé les mammouths, inventé la roue, et nous avons même maîtrisé le feu. Puisse nos ancêtres saisir un péril et barbu de goûter notre quête. Car ce soir, messieurs, nous allons faire naître la flore! Yeah! Oh! 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 On va y aller, passe-moi la madou. La madou? Mais le tas de feuilles est pété comme ça, juste là. Oh. Bon, là, les gars, c'est une question de persévérance, d'endurance et même de force physique. Je suis là qu'il faut. Wow! Bon, là, Fred, sois comme ça, sans arrêter. Pas de problème, Vous seriez dû voir ça.
une chance que les femmes étaient là, parce qu'on aurait fait pour rien qu'un peu en ce moment. Hein, les boys? Ouais. Mais là, tu aurais pu me dire que t'avais les allumettes d'une écharpe ou d'un trombone comme toi. Oh, pauvre tu poux! Ben, si quelqu'un n'est pas appliqué, je peux essayer de te l'enlever. Bon! Des quelques de pince, t'as besoin! Isoter, à vous courber, une pincée de les doigts, une pincée de l'encrave, avec une lettre placée, de métal. Une pince, un outil qui sert à saisir quelque chose. Tiens ta pince! C'est que mon outil est tellement sophistiqué là, que mes pinces ne savent même pas. Ils tiennent en place. Merci. Écoute, rien, je vais te dire. Ben, si je voulais te dire, ok. Tu voulais lui dire, je l'ai! Oh, yo! Oh, mourra donc, ça! Oh. Ouais, tout un tronc d'art, mon Yannick! Oh, c'est pas grave. Inquiète pas, ça va être ton petit bobo, va être tout guéri. Ben non, pas ça! Je t'assure de lui parler! Ouais, c'est ça. Écoute, Yannick, là, c'est pour ton mieux que je te dis ça, là, mais peut-être que tu seras plus ça pour rien. Pourquoi? Pense-y un peu, là. C'est comme un mauvais karma entre les deux. À chaque fois que tu viens pour lui parler, il arrive quelque chose. Tu t'en es. Ah, salut Yannick, ça va? Ouais, là, comme toujours, là. Comment a été ton examen? Je pense que ça s'est bien passé, là. Ah, c'est bon, ça. Écoute, Ariane, je voulais te dire, là. Ouais. Mais je voulais dire que j'ai vraiment besoin d'une calculatrice parce que je m'en vais en maths puis ben j'ai oublié la mienne chez moi. Est-ce que je peux emprunter la tienne, s'il vous plaît? Ben ouais. Tiens. Bon, ben à tantôt. Merci. Bye. Hey, salut Harry. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais. Tu sais, faut que je te dise, là... Harry, tu avais dit qu'on avait un examen de sciences à midi? Ben oui, Kat, ça doit peut-être faire un mois qu'il n'a tient notre agenda. Mais je comprends tellement rien à l'affaire de trouble de la vue! Ok, ben, bon examen cet après-midi, là. Hey, Harry, ça va? Ouais, comme toujours. Écoute, je voulais dire que... Ariane, je suis contente de te voir parce que je voulais... Si tu te déranges pas? Excuse-moi, Yannick. OK. Est-ce que je viens de corriger ton plan de travail? Exactement ce que j'appellerais un modèle de saine communication. Il n'y a rien à voir. Mais là, Alex, ça fait un mois que tu ne parles pas. Ça fait pas encore un mois, OK? Ça fait 3 semaines, 2 jours, 24 minutes et 35, 36. Qui est ça? Non? Depuis 10 ans, puis j'ai pas gâché notre amitié. Je suis vraiment désolée, je sais pas quoi te dire. Ben voyons, ma belle, qu'est-ce qui se passe? C'est Alex, là. C'est Alex. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, Alex?
Il est correct au moins. Ouais, c'est pas ça, c'est juste que... Il a essayé de m'embrasser. Quoi? Où ça? Ben, sur la bouche. Mais oui, je sais ça. Mais je veux dire, c'est arrivé où? Dans les casiers, il y a à peu près 5 minutes. Ben, qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Tu devrais être encore là, en train de l'embrasser. Puis c'est Pierre, le gardien de sécurité, qui devrait être sur le bord de vous séparer de votre torride étreinte. Ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je l'ai un peu repoussé. Hein? Quoi? Mais voyons, pourquoi t'as fait ça? Kat, ça fait des mois que tu me parles d'Alex. C'est clair que vous êtes bien plus que des amis. Alex pis toi, vous êtes faits pour être ensemble. De toute façon, personne ne pourrait jamais t'endurer. Non, mais sérieusement, Kat, je te comprends pas. Mais je sais pas, j'ai peur, je m'attendais pas à ce qu'ils s'en viennent pour m'embrasser. Fait que j'ai figé, puis je l'ai repoussé. Bon, il est pas trop tard. Il est sûrement pas loin. Va le voir tout de suite, puis par lui. Ouais, t'as raison. Mais là, je comprends pas, gars. Elle te dit ça de même. Elle veut plus rien savoir de toi. Ouais, je suis certain, là. Elle veut juste qu'on reste amis. De toute façon, je sais même pas ce que j'ai pu y trouver. Ben là, c'est juste l'orgueil qui parle. Tu crois rien de ce que tu dis, là. Non, non, je suis certain, là. De toute façon, elle est même pas si belle, puis elle a rien de spécial. Comme la fille en maths, elle est belle. J'en reviens pas. C'est vraiment maudit de savoir vraiment ce que tu penses de moi. Non, non, c'est pas ce que tu penses. Touche-moi pas. Il m'aime en mon cœur. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Tellement intelligent, Frédéric. En fait,
pilotage de l'avion? Selon moi, l'avion s'est fracturé en deux lors de l'atterrissage d'urgence. Ok. Mais ça veut dire que l'autre partie de l'avion s'est sûrement écrasée ailleurs sur l'île! Quand j'ai pris connaissance après l'écrasement, j'ai vu une genre de fumée noire dans le ciel. Est-ce que vous pensez après ça? Où ça? Ben là, si les survivants, faut aller les chercher. Ben on pourrait partir dès demain matin au lever du soleil. Vous allez avoir besoin d'un homme agile et fort. Je vais vous accompagner. Tu peux y aller aussi? Ben oui. Faut des gens compétents pour ce genre d'expédition. En tout cas, ça peut m'emmener loin de lui. Je vais bien y aller aussi. Ah ben juste pour toi, ma belle Catherine, je vais y aller. Bon ben, moi je vais aller me coucher. J'ai pas l'habitude de dormir aussi tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon. Je sais pas si vous savez bien compter comme moi, mais il y a pas assez de temps pour tout le monde. Il va falloir faire des couples. Ok, mais comment on va faire pour déterminer qui va dans la tente avec qui? On peut tirer un coup de poing. Un petit problème, princesse? Pas de problème. Mais tu sais que j'apporte toujours mes pinceaux en maquillage. C'est comme évident. Ok, mais Véronique, tes pinceaux sont deux de la même grandeur. Laisse-moi arranger ça. Mes pinceaux! Sauver du temps, on a peut-être procédé autrement. Bon, on est 8, c'est pas compliqué. On choisit un chiffre de 1 à 4. Puis Yago le présente avec le bas. Ceux qui ont le même chiffre vont ensemble dans la même tente. Ouais. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, go! Oh là là! On peut-tu recommencer? J'étais pas prête. Non, non, t'as choisi deux. Tu t'en vas avec Alex. Ouh, les 4 boys ensemble. Ça va faire des beaux rêves, je suis certaine. J'espère que vous n'avez pas le sommeil trop fragile parce que ça va que Frédéric ne rompt pas rien que veut. Bonne nuit, les gars! C'est même pas vrai, ça. Les gars, c'est même pas vrai. Les gars, Oh, Alex, veux-tu bien me dire ce que tu fais là? Mais tu vas bien, Catherine. Un orignal. Attends, je peux faire un chien aussi. Es-tu en train de me dire que tu gaspilles les seules piles qu'on a pour faire tes niaiseries? C'est quoi, Alex? Moi aussi, je peux te faire un signe. Il est super simple, puis j'ai juste besoin d'un doigt pour le faire. Bon, bonne nuit. Cap, dors-tu? Oh, quoi? Tu te souviens de la fois au camp robot? Quelle fois? Nos parents nous envoyaient à peu près chaque été, de nos 8 ans jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait. Tu te souviens, on avait campé dans la clairière près du camp de base. Oui, je me rappelle. T'étais venu nous rejoindre après le couvre-feu. Cette fois-là non plus, t'avais pas voulu éteindre la lampe de poche. Oh non, j'en reviens pas. Alexandre Tremblay, t'as encore peur dans le noir. Quoi tu parles? Ben, t'es là de bord. Bientôt, là. C'est ça, oui. Ok, arrête, là. Je dois pas la lumière verte chez nous, là, mais ici, c'est pas pareil, là. On sait pas où ce qu'on est. Ah, t'inquiète pas, Alex. Je vais te protéger. Bonne nuit. Bonne nuit, Alex. Ah, enfin, je vais pouvoir dormir un peu. 4. Quoi? C'est pas moi qui ai éteint la lumière. Je pense que les piles sont mortes. Oh, Alex! Yeah.
Différentes. Mais pas comme d'habitude, mettons. Prends ta
Gabrielle, par exemple. À l'école, c'est elle que tout le monde intimidait. Puis ici, c'est elle que tout le monde veut suivre. Ok. C'est elle. Je suis plus dur. Tu sais, frère, c'est pas au gars. On se dit, oui, si on fait ce genre d'hier, ce moment. Je suis un peu cheap dans la manière que je l'ai traité. Mais Frédéric l'a mieux une conscience. Peut-être petite. Ça doit être le paysage qui fait cet effet-là. C'est tellement beau ici. Le sable. Le Bientôt. Et où Gab?
une pharmacie en cas de blessure, un couteau, un multi. Ok, c'est bon, on a compris. Bon, on y va? Attendez! Je viens avec vous. C'est Véronique, là, dans la forêt, il n'y a pas de miroir, juste la grosse boue sale puis dégoûtante. Faut marcher pendant des heures et des heures sans se plaindre. Tu sais, c'est vraiment pas la place. Je peux faire aussi. Je suis capable. Ok, ok, tu peux venir. Mais tu veux pas y aller avec ces chaussures-là, par exemple. Ben voyons, pourquoi? Ben voyons, Véronique, tu peux pas marcher avec ça. Je marche parfaitement avec mes chaussures, mon cher. Puis en plus, c'est en noir comme les panthères. C'est parfait pour le camouflage. Et en plus. Et puis en passant, belle veste. Merci, Alexandre. Bon, on y va? Attendez. Je voulais dire, Yannick. Tu voulais lisser? Je voulais juste te dire d'être prudent. Inquiète-toi pas. Véronique, au moins sans se faire attaquer par une panthère, tu vas être la seule à survivre. T'es tellement bien camouflée avec tes souliers. Mais ça fait des heures qu'on marche. On peut pas prendre une petite pause. Ok, quelques minutes seulement. Mais il faut avancer le plus possible si on veut arriver avant la tombée de la nuit. Moi, je continue un peu. Je t'accompagne. Ok, on se rejoint dans 2 minutes. Oh, Alex, dégosse, pour moi, 100 fois que tu me décides la honte. Je me demande pour te protéger. C'est ça, oui. Hey! Regarde! On dirait qu'il y a des gens qui vivent ici. Ouais, mais ils sont pas là pour l'instant, là. Arrête, Alex, on sait pas où on est ni ce que tu manges. C'est bon. Yeah!
connais pas tout. Si évolue les étiens, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler des plaquiers, si couler m'a fâché. Je saurais où te chercher, quand comme moi tu seras perché. Je te dis oui, oui, retiens-moi bien. Merci, mais tout en tiens, le même tout qu'à la touche d'oiseau, je t'aime. C'est les autres voyages, mes propres codes. Lâche-moi dans votre pote potage. Je m'en fais pas. Depuis la mort, tu comprends. Mais en fait, quand on est pas tout à bout, je pourrais pas. Et où ma mère, tu l'as là. Le bout, je n'ai pas. J'ai vu que l'heure est déjà. Humaine.
Écoute, rien de mieux, je veux dire. Mais c'est juste. Je pense qu'Ariane aura mieux à faire qu'à traîner avec sa vieille copine Catherine. Tu sais que mon fils veut t'en parler. Est-ce qu'on fait une trêve temporaire? Temporaire. Tu sais que tu peux me lâcher la main? Je sais. C'est trop mignon! Tu trouves pas? Pansy, même pas! On a retrouvé le groupe! Tout le monde est correct! On est parvenu à faire un contact avec l'aéroport depuis près! Commence pas là. Sérieusement. Sébastien, merci beaucoup pour ton travail dans la société. Bénévolement toujours!
décor, j'aimerais remercier la gang de concentration qui a travaillé extrêmement fort au décor. Tu peux le constater, là, c'est des heures et des heures. Monsieur Duguay, qui est enseignant en cinéma, je pense que ça paraît, et c'est lui qui a fait le montage formidable des retours en arrière, donc des flashbacks en bon français. Bravo, M. Duguay, merci. Et nous n'oublierons pas Rico, Rico Soivé, M. Duguay. DVD ce soir, il fait vraiment un travail extraordinaire toujours avec l'école. Puis en plus, il travaille des élèves de cinéma qui sont avec lui. Alors, si jamais vous êtes intéressé à revoir cette belle soirée-là, ce sera possible à la fin du mois de mai. Il y aura des DVD disponibles. Merci encore, Rico, pour ton bon travail. Le mot de la fin, c'est. Oui, il n'y a pas des DVD, il va y avoir des photos qui vont être disponibles sur le site web gratuitement des codes. Ici Mathieu Rinfret, notre photographe merveilleux, passez dans votre place. Et en terminant, j'aimerais, puis là, Mme Le Duc, elle ne s'est pas remerciée. Elle est modeste, elle n'a pas parlé d'elle, jamais. Hein? Je pense que ce serait le temps d'applaudir la chorégraphe en chef. J'aimerais remercier, on aimerait en fait remercier les élèves. Parce qu'un projet comme celui-là, ben, vous savez, hein, ils partaient le soir, ils partaient la fin de semaine dans ces écoles. Disons que les pédagogiques n'en ont pas eu beaucoup dans les deux derniers mois, mais il y avait un horaire différent du reste de l'école. Et ces élèves-là, ils travaillent tellement fort. C'est leur spectacle, c'est eux qui l'ont porté. Et on est vraiment, vraiment, vraiment fiers de vous autres, gang. Bravo! À la prochaine.